and make sure they get their opportunities to score a goal as well. Alors évidemment, Pierre, ce qui sera un casse-tête pour les entraîneurs adverses cette saison, c'est tous ces bons joueurs en attaque chez les Nordiques. Il faudra de temps à autre leur opposer quand même les meilleurs joueurs à l'attaque de l'autre côté. Belle fin de sa kick, mais c'est le but! Kovalenko! Et voilà, il en parlait, il avait peur. Eh bien, avec raison, Kovalenko qui marque son deuxième but de saison. Mais Pierre, quelle fin de Joe Sakic! Aïe, 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 aïe! Et tu vois, Schoenfeld venait de parler justement... Oui. Du travail de Kovalenko avec Sakic. Joe Sakic qui laisse glisser cette rondelle entre les jambes du défenseur de Dale Hunter. Et par la suite, Kovalenko qui lui vient couper et prend son tour, soulève le disque. Regarde cette feinte, laisse simplement glisser la rondelle, peut reprendre. Mais bonne vitesse et bonne vision du jeu de Kovalenko, son deuxième but. Oui, lui qui avait connu tout un match à Philadelphie avec un but de passe. Et Schoenfeld voulait appliquer une ligne défensive contre Joe Sakic. Mais par contre, Rinky. C'est Sylvain Côté maintenant qui reprend. Côté avec une passe du revers à Ivanka. Ivanka vers Konowalczuk, le tir. Et l'arrêt de Fizek. Konowalczuk avait réussi à contourner partiellement Stephen Finn. Qui reprend la rondelle cependant. Belle passe à Richie. Mike Richie de l'autre côté à Young. Et l'arrêt de Fonzik. Avec la mitaine. Young avait trouvé l'ouverture. Le revers dégagé rapidement. C'est trop dangereux. Kamianski avec une belle fin. Passe du revers que n'attendait pas vraiment Nolan. La rondelle lui est passée entre les pattes. Derrière le filet maintenant. C'est évidemment la foule qui réclame une pénalité. Pivanka qui retient Forsberg. Oh là là, et le but! Et voilà. La rondelle a touché un patin dévié sur le gardien Koldink. Qui a tiré, Pierre? Est-ce que c'est Kamianski ou Nolan? Nolan. Nolan derrière le filet a glissé cette rondelle, a tenté plutôt la passe. Et Koldink a voulu bloquer. Mais non, c'est la glissée entre ses jambières. Ah, il va s'en vouloir parce que c'est un très mauvais but. Ça a donné tard en première période. Regardez. Le défenseur était là. Nolan fait le tour, contourne et tourne directement entre les jambières. Il y avait assez de monde pour le protéger. Voyons voir de cet angle où va toucher le disque. Ah, c'est le défenseur, Pierre. La jambière de... Deuxième cette saison. Ben, bon an, mal an, Pierre, c'est 2-0 Québec. Miller dans le coin. Remet vers Hunter, tire capté par Fizet, sans donner de retour. Et là, ben Dale Hunter, Pierre, à 2-0 contre son équipe. On reconnaît le Dale Hunter qu'on a aimé d'abord ici à Québec et qu'on déteste maintenant parce qu'il est dans le clan adverse. Ça, c'est du Dale Hunter tout craché. Hein? En une 15e saison, on va trouver les moyens d'impliquer son équipe. Chapeau à Dale Hunter, par contre, sur certains gestes. Je crois qu'il fait tout pour impliquer son équipe. 3 minutes 35 à faire à cette première période. Là, c'est 4 contre 4, évidemment. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer. Côté vers Pivanka, dans l'enclave pour Junot. La passe devant. Oh! Quel beau jeu en défense, Pierre Dauveclou. Il est venu fermer une ouverture que Fizet avait laissée... Filant. Rinky, avec un tir bloqué par Fizet. Pivanka voulait faire des pieds. Côté maintenant, et le but! Non, la rondelle a touché le poteau, Pierre. Poteau. Je croyais qu'elle avait pénétré. Regardez bien, suivez la trajectoire de la rondelle. Et voilà. Pouf! Aïe, aïe, aïe. Et elle va frapper. Le joueur des Capitals de Washington. Regarde de cet angle, Pierre. Ça a touché la tige horizontale. Hein? Et elle a frappé. Pivanka. C'est presque arrêté complètement. Lefebvre reprend le disque. La passe à Wendell Clark. Devant Johansson. Clark surveille du coin d'œil. Attends l'arrivée de Basson. Travail d'une main. Clark dans l'enclave. Bousculé. La mêlée éclate où est le disque. Oh. Derrière, ou en fait sous le gardien Koldink, qui a été chanceux dans les circonstances, Pierre. Parce que dans sa chute, il a du même coup entraîné la rondelle. Oui. C'est glissé sous lui et encore. Bondra tire à l'arrière du filet. Voilà Hunter qui se présente en territoire de Québec. Attendu par et Clark et par Sakic. Là, les bâtons élevés et la bagarre éclate entre Wendell Clark et Dale Hunter. Et ce favori, c'est que finalement. Il remet à Joey Junot. Junot qui applique les freins devant Sylvain Lefebvre. Laisse la rondelle à Steve Konowalczuk. Konowalczuk veut se démarquer de Forsberg. La belle passe de Junot, le tirant. Belle sortie de Fizet. Ouf. Et la passe de Tenordi par la suite a touché à nouveau le gardien des Nordiques. Il se dirige en plein centre. Oh, bel arrêt. Merci l'arrêt. Vers Rutschinski, mais il était surveillé par Johansson et ce dernier réussit à le faire trébucher. Et là, Richie travaille bien. Oh, en faisant une chute. Il n'a pu tirer, mais cela provoque une pénalité à retardement chez les Capitals. Rutschinski, gros geste vers foot à Sakic. Tire! Ah, il a des mains exceptionnelles, oui. Mais il y a eu trois
beau jeu sur la séquence. Je pense qu'on va avoir du plaisir à revoir tout ça au ralenti. Ça annule du même coup la pénalité. Évidemment, il y avait 6 joueurs en attaque maintenant pendant ce temps chez les Nordiques. Regardez bien comment ça a commencé. Rutschinski, en faisant une chute, regarde entre ses jambières. Ça avait débuté avant ça avec le travail devant le filet. Et regarde, rondelle sautillante, bondissante. Et lui, il fait simplement taper avec assez de force pour qu'elle passe par-dessus l'épaule du gardien de but. Oh. Il passe du revers, reçu du bout du bâton par Dale Hunter. Pearson qui passe à Poulin vers Junot qui s'avance. Belle feinte. Junot qui n'a plus d'angle cependant. Poulin veut tirer. La mêlée éclate et Junot reprend derrière le filet. Joël Junot qui rate mais récupéré par Bonnegra. On est prêt ce soir des hors-jeux. En oui, il y a plusieurs fois là où on a fermé les yeux. Celui-là semblait hors-jeu. Oui. Et là, un tir du revers qui rate la cible. Le fusil a été compromis. C'est raté par Bonnegra. Pivonka reprend vers Bonnegra et Clark. Sylvain Côté vers Pearson. Pearson retenu par Adelbrook. Kaminski rate son dégagement. Voilà Junot qui avec une deuxième feinte a perdu l'angle. Hunter marque. Tu vois exactement la ce qu'on parlait. La de Kaminski, Pierre. En fait, Kaminski, rondelle qui n'a pas sorti, c'est ça. Au lieu d'y aller avec un bon coup, la sortir, la déblayer, essayer simplement de la pousser un peu de l'autre côté de la ligne 2, mais ça ne fonctionne pas. Il a manqué de la rondelle. C'était récupéré par Joey Junot. Regardez, rondelle sautillante, mais il rate complètement son dégagement. Joey Junot est de l'autre côté. On s'est fait prendre chez Nordique. Avec Dale Hunter, complètement seul. Maintenant, il était à Junot quand même, Pierre. Il a été habile aussi. Il a bien récupéré. Oui, mais tout de même, avant ça, il aurait pu dire que les enjambées sont assez longues dans le cas de Tenordé. De loin. Et le simple fait qu'il avait arrêté, justement, de patiner dans les derniers instants, se laissait plutôt glisser. J'ai l'impression que c'est un peu pour ça, mais c'est fait. Voilà Slaney maintenant. On passe pour Connor Walchuk. Et c'est encore Fizet qui a réussi à faire avorter le jeu. Là, Nolan s'échappe devant le gardien. Le tir et le but! Tu as parlé de son habileté hein, à soulever le disque et également à rester concentré malgré la tentative de Sylvain Côté. Quel beau but! Il n'avait pas la plus grande force sur son tir, mais encore là, bien placé le haut du filet, comme il l'a démontré ce matin à plusieurs reprises et aussi ce soir dans les périodes d'échauffement. Owen Nolan soulève bien ses rondelles du côté de la mitaine. Parce qu'on ne peut pas dire que l'ouverture était énorme, mais quand même, non. Il a exactement placé où il le voulait. Regarde de cet angle. Et la force du tir n'était pas puissante non plus, mais tellement bien placé. Oh, ça c'est un but, Pierre, qui va soulager l'entraîneur Mark Crawford. Oui. Parce que les Capitals accentuaient encore un peu plus après le trophée, disque d'or, hein, si vous me permettez la traduction, annuellement remis au meilleur joueur de hockey suédois. Un honneur décerné par le quotidien Expressen, le plus grand scandinave. Et le but, Martin Rutschinski. Et bien là, les Nordiques viennent peut-être de sceller l'issue de la rencontre. Quelle sortie rapide de Martin Rutschinski, Pierre. Tu parles très peu de lancer de la part des Nordiques, mais lorsqu'ils ont des occasions, ça paie pour. On les fait payer. 5 en 16. Oui. 5 buts en 16 tirs. Regardez bien Scott Young. Passe d'un côté, Rutschinski bien dégagé, bien patiné, les deux défenseurs des Capitals pris à leur jeu. Et encore là, la passe de Scott Young. Et bien, ça a ajouté de la vie dans le Colisée de Québec. On parlait du danger à court terme d'avoir de jeunes gardiens de but. Ouais. Et puis, tu te fais bombarder comme ça dans une soirée. On avait Tabarachi qui était supposé être le gardien, blessé. Oui. Sauf que la passe, en fait, le 10 s'est retrouvé dans ses patins. Hunter à Slaney, un tir, Fizet fait l'arrêt, il n'a pas de retour. Et là, la bousculade va éclater. C'était à prévoir, Pierre, parce que à force de se rompre les os comme ça le long de la rampe avec Craig Berube, Dale Hunter, Adam Foote, enfin bref, il reste que... Je disais qu'on n'irait pas plus loin. Hunter veut bien repartir plus loin vers la ligne bleue. Junot s'avance, feinte, passe à côté, encore surveillé par Basson. Voilà dans le coin maintenant pour Ristich. Devant Dale Hunter, quel arrêt de Fizet. Ça, c'est un jeu parfait. Et Côté, il va d'une frappe bloquée en défense. La rondelle revient à Dale Hunter. À pique, un tir sur réception par-dessus le filet. Et Basson, finalement, on dit embêtant de rater l'ouverture à domicile devant les partisans dans ce qu'on qualifie, Pierre, d'une année déterminante pour les Nordiques à Québec. Une victoire vraiment convaincante, 5-1. Les Nordiques ont montré plusieurs
éléments de qualité dans différentes facettes ce soir. Différentes facettes, et on a montré qu'on avait cette facilité de marquer des buts. On a travaillé, on a profité aussi de certaines générosités du gardien de but et un peu des chances. Par contre, si les gardes, si les faits des chances, c'est simplement l'avenir, Julien Nordique, de tenter de moins laisser à l'adversaire de chance dans leur territoire. C'est pas que le jeu, ça donne la cul.